Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sportive, c'est un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir du mercredi 24 novembre 2021. Tout de suite pour les titres. Sorti sur blessure lors du match concédé par l'AS Monaco à domicile face à l'OSC le week-end dernier, Crépin Diatta pourrait bien être éloigné des terrains pour plusieurs semaines. Le tribunal a rendu son jugement sur 5 hommes, dont Karim Benzema, accusé d'avoir tenté d'obtenir de l'argent de la part du footballeur Mathieu Valbuena après la découverte d'une vidéo de ses ébats. En quête d'un nouveau coach après le licenciement de Solskjaer, Manchester United n'a pas fait l'approche pour Mauricio Pochettino, une information dévoilée par RMC, contrairement à ce qui se dit ces derniers jours. Convoité par les plus grands clubs européens, Erling Haaland sera l'une des principales attractions du mercato estival, mais le Borussia Dortmund ne désespère pas de garder l'attaquant norvégien. Selon Sky Germany, le club allemand aurait un plan pour conserver le joueur. Et puis de nouvelles révélations dans le dossier Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. L'arrivée du technicien français à Paris est encore loin d'être actée. La piste se serait même sérieusement refroidie si l'on en croit aux informations de AS. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer avec le joueur sénégalais Crépin Diatta. Un vrai coup dur pour le milieu de terrain monégasque. C'est l'inquiétude actuellement au niveau de l'AS Monaco, mais aussi avec les Lions du Sénégal. Selon les informations du journal L'Équipe, la formation princière craint une rupture des ligaments croisés du genou gauche pour son attaquant qui a rendez-vous ce mercredi avec un chirurgien spécialisé à Barcelone. En effet, Crépin Diatta a pris la direction de Barcelone pour passer des examens complémentaires auprès d'un spécialiste. Mais visiblement, la tendance n'est pas bonne. Le staff médical monégasque craint le joueur souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, ce qui serait bien une mauvaise nouvelle pour les Sénégalais à moins de 2 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun à 46 jours de la CAN. Aliou Cissé suit la situation de son joueur qui fait partie des titulaires de l'équipe. En France, Karim Benzema a été reconnu coupable ce mercredi par le tribunal correctionnel de Versailles de complicité de tentative de chantage dans l'affaire dite de sextape de Valbuena. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Ses avocats ont immédiatement annoncé que leur client faisait appel du jugement. Suivons ce reportage de Serigne Salou Seck. Karim Benzema est reconnu coupable poursuivi pour complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape. L'attaquant du Real Madrid, absent des débats, a finalement été condamné ce mercredi à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 75 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Versailles. Il ne lui est reproché aucune motivation pécuniaire, mais il a été poussé par son amitié forte avec Karim Gianetti. Le tribunal juge que Karim Benzema ne s'est pas rendu compte du caractère délictueux de ses actes. Ses avocats ont immédiatement annoncé qu'il allait faire appel. Il a été clairement annoncé par le tribunal que Karim Benzema n'était pas au courant des manœuvres préalables. On est assez sidéré par ce jugement. L'appel s'impose parce que Karim Benzema n'a rien à se reprocher. Il sera innocenté à hauteur de cet appel, annonce son avocat Maître Antoine Veil sur BMF TV. Les autres prévenus ont tous été condamnés. Gianetti, récidiviste, est condamné à 15 mois de prison, une peine qui sera aménagée à 3000 euros d'amende. Ouas écope de 18 mois de prison avec sursis. Angot est condamné à 2 ans de prison, peine qui sera aménagée. Quant à Jouawi, il écope de 2 ans et demi de prison, peine non aménageable et donc avec mandat de dépôt et 3000 euros d'amende. Au cœur de ce procès, une vidéo intime du footballeur Mathieu Valbuena, interceptée 6 ans plus tôt sur son téléphone portable et plusieurs intermédiaires qui le contactent et lui proposent de garantir la confidentialité de ses images. Moyennant finance, durant les 3 jours d'audience, les versions des prévenus ont oscillé entre la volonté d'aider le joueur à sortir de cette impasse et celle de lui soutirer de l'argent. Mais l'enregistrement d'une conversation entre Karim Benzema et son ami d'enfance est intermédiaire dans cette affaire. Karim Gianetti, diffusé devant le tribunal, a pesé dans la balance. On y entend le rire et les moqueries des deux hommes qui s'appellent juste après que Karim Benzema a parlé à Valbuena à Clairefontaine, centre d'entraînement des Bleus, le 6 octobre 2015. Joint par l'équipe, Noël Graet, le président de la Fédération française de football, réaffirme que Karim Benzema reste sélectionnable pour l'équipe de France de football, malgré sa condamnation à 1 an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Ce mercredi, dans l'affaire du chantage à la
sextape. Je ne sais pas ce que décideront Karim Benzema et ses avocats, à savoir s'ils font l'appel. Ses avocats ont annoncé qu'ils feraient appel, mais en ce qui concerne la fédération, il n'y a aucun changement, a-t-il déclaré. Il reste sélectionnable tout en regrettant ce fâcheux dossier. Il n'a pas joué pendant plusieurs années en équipe de France. Cette sélection ne change rien pour moi. Il est sélectionnable même s'il ne fait pas l'appel pour moi. Cela ne change rien, poursuit-il. Il a le droit de travailler. On peut faire une faute, être condamné avec sursis et reprendre le travail. Et si l'on en croit à la sortie du président de la Fédération française de football, Karim Benzema est toujours sélectionnable avec l'équipe de France. Nous allons maintenant, chers amis, en Angleterre pour évoquer le dossier Mauricio Pochettino à Manchester United. Actuellement, comme vous le savez, Solskjaer a été limogé et Pochettino fait partie des priorités du club des Red Devils qui ont remporté hier une rencontre face à Villarreal en Ligue des Champions. Mais devant la difficulté de ce dossier, les Mancuniens pourraient privilégier l'arrivée d'un manager par intérim. Selon The Guardian, des pourparlers seraient en cours avec Ernesto Valverde, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au FC Barcelone en 2020. L'Espagnol serait apprécié par sa capacité à pouvoir gérer un joueur comme Cristiano Ronaldo. D'après les médias anglais, une telle collaboration ne durerait pas que jusqu'à la fin de la saison. Par contre, Manchester United n'a pas fait d'approche pour Mauricio Pochettino, selon les informations de nos confrères de RMC Sport. Sous contrat jusqu'en 2023 au PSG, le technicien argentin n'a pas demandé à ses dirigeants de partir. Le club compte pas s'en séparer pour l'instant. En Allemagne, auteur de 6 buts en 9 matchs de Bundesliga, Erling Haaland reste indispensable du côté du Borussia Dortmund. Actuellement, séparé des terrains à cause d'une blessure à la hanche, Haaland voit son avenir rester au cœur des préoccupations malgré les intérêts des plus grands clubs européens. Le dauphin du Bayern Munich en championnat espère encore garder son joueur pour y parvenir. Le club allemand aurait déjà un plan. Selon Sky Germany, les dirigeants voudraient doubler le salaire actuel du joueur, mais aussi repousser la clause libératoire du Norvégien à l'été 2023. Pour rappel, les équipes voulant s'attacher les services du buteur n'auront qu'à débourser lors du prochain mercato estival la somme de 75 millions d'euros. En clair, l'intention du Borussia Dortmund n'est pas de modifier le montant de la clause, mais de la repousser à la prochaine saison. D'après le média, cette opération aurait des chances de se réaliser. Haaland se sentirait à l'aise au club, considéré comme un modèle dans le vestiaire si les Allemands arrivaient à conserver le joueur encore un an, il réussirait à là un grand coup. Et nous allons, chers amis, terminer cette édition avec Zinedine Zidane. Actuellement, toutes les rumeurs mènent le technicien français du côté du Paris Saint-Germain et actuellement, le dossier est bloqué. Le quotidien espagnol AS affirme en effet que les vice-champions de France en titre ne sont pas encore parvenus à convaincre Zidane. La raison, alors que les bruits de couloir indiquaient que l'entraîneur français serait partant à l'idée de prendre en main l'équipe francilienne. AS affirme que Zidane ne serait pas en réalité pas convaincu sur le fait d'arriver en plein milieu de saison. De plus, il aurait d'autres projets en cours et préférerait patienter avant de retrouver un banc. Une version qui diffère sérieusement des dernières rumeurs, même si beaucoup s'étonnaient de l'éventuelle venue de Zinedine Zidane à Paris, alors que l'équipe de France lui tend les bras dans un an seulement. En tout cas, cette situation aurait forcé à Manchester United de patienter jusqu'à l'été prochain pour le dossier Mauricio Pochettino, ce qui explique peut-être pourquoi la presse anglaise évoque de plus en plus la venue d'un coach intérimaire en attendant celle de l'Argentin. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sportive TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Zinedine Zidane. Selon vous, le technicien français doit-il prendre une décision définitive concernant tous ces rumeurs qui l'amènent au Paris Saint-Germain ou à Manchester United ou bien même en équipe de France? Merci et bonne fin de soirée.